Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de critique de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Robe de mariée de Pierre Lemaître, un auteur de renom dans le monde du trier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes critiques de livres à venir. Robe de mariée raconte l'histoire de Sophie Duguay, une jeune femme qui souffre d'amnésie depuis un accident de voiture. Elle vit avec son mari, Pierre, et tente de reconstruire sa vie, mais ses cauchemars et ses flashbacks la hantent constamment. Quand Pierre est assassiné sous ses yeux, Sophie est le seul témoin, mais à cause de son amnésie, elle ne peut pas identifier le tueur. Cela la met en danger, et elle doit lutter pour retrouver sa mémoire, et découvrir la vérité. Le roman est très bien écrit, avec des rebondissements inattendus à chaque tournant de l'histoire. Les personnages sont bien développés, et l'intrigue est très prenante. L'auteur a su créer une atmosphère sombre et mystérieuse, qui maintient le suspense tout au long du livre. En outre, le thème de l'amnésie est exploré de manière très intéressante dans ce roman. L'auteur réussit à nous faire ressentir les frustrations et les peurs de Sophie, alors qu'elle tente de se souvenir de ce qui s'est passé. En conclusion, si vous êtes fan de trier, je vous recommande fortement de lire Robe de mariée. Ce livre vous tiendra en haleine, jusqu'à la dernière page. Si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette critique de livre, et à bientôt pour une autre.